Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, je suis très enthousiaste. On va ouvrir ensemble ce paquet et on va découvrir ensemble ce qu'il y a dedans. Alors, on va fermer le dos pour ne pas se couper. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Eh bien, regardez, regardez, regardez. Un Compex SP8 flambant neuf. Et à l'intérieur, on a encore plein d'électrodes, mais ça on verra après. Et oui, un Compex SP8. Alors j'ai la grande chance, le privilège d'être ambassadeur Compex. Ça fait des années que j'utilise Compex et donc c'est vraiment avec grande fierté que je vous présente cet appareil parce que il m'a vraiment accompagné dans de nombreuses situations et je vous ferai quelques vidéos pour vous expliquer comment au quotidien, personnellement, j'adapte le Compex à ma vie. Mais là, dans un premier temps, ce que je vous propose, c'est de découvrir en ouvrant le paquet ce qu'il y a à l'intérieur. Et avant ça, vous dire que je vous offre avec cette vidéo eh bien, un lien de 30% de réduction sur le site de Compex. Donc profitez-en, c'est un cadeau pour vous remercier de la fidélité que vous avez en me suivant au quotidien. On va ouvrir donc ce Compex et découvrir ensemble ce qu'il y a dans la boîte. Déjà, c'est un très beau packaging. Franchement, on sent en l'ayant dans les mains qu'ils se sont donné de la peine pour offrir quelque chose qui est à la hauteur du produit. Ensuite, on a là en ouvrant ce carton, ce petit carton rectangulaire. Qu'est-ce qu'il y a dedans? On va regarder ensemble. Ça s'ouvre comme ça. Waouh! Alors, on y trouve la bête de combat, donc le petit appareil qu'on va prendre dans les mains, donc le SP8. On va l'ouvrir ensemble. Voilà, il est entouré. Donc, l'appareil en tant que tel, il n'est pas plus grand que ça. C'est sans fil, le SP8, hein, donc je précise. Et donc, à côté, vous avez deux petits modules. C'est ce qui vient se planter sur les électrodes qu'on a vues tout à l'heure, qu'on a en réserve dans le carton, et qui donc sont reliés, eux, par un fil. Voilà, on va remettre tout ça dedans et on va découvrir la suite du carton. Waouh! Alors là, on a une magnifique sacoche. On sent qu'elle est rembourrée, elle est bien. Franchement, elle est bien avec là. De quoi glisser justement vos petits sachets d'électrodes pour les emporter avec vous en compétition, si vous faites de la compète, en voyage, si vous n'êtes pas du tout sportif de pointe, vous allez voir que le Compex, on peut vraiment l'utiliser dans beaucoup de domaines. Et là-dedans, on trouve la boîte qui donc permet de recharger les modules qu'on a vus tout à l'heure. Et là-dedans, on vient les planter. Je vous précise une chose, c'est mon deuxième Compex SP8. L'autre a bien vécu parce qu'il a fait, je crois, 8 ans. Et cette petite boîte a une particularité, c'est que les petits pics qu'on voit ici sur lesquels viennent se reposer les modules, c'est quand même assez fragile. Donc, soyez quand même prudent avec ça. Ne vous baladez pas simplement avec la boîte en vous disant que ça protège. Alors oui, ça protège les modules, mais par contre, la boîte en tant que telle, je la trouve fragile et c'est pas pour rien que Compex a donc fait cette sacoche qui elle est bien rembourrée avec une housse qui est solide et puis une anse ici pour la tenir en une espèce de caoutchouc qui permet que ça glisse pas des mains, c'est chouette. Là vous avez encore une petite partie où vous pouvez mettre soit un câble, soit quoi que ce soit que vous vouliez emporter avec votre Compex SP8. On va le poser là à côté et on va découvrir la suite du carton parce que c'est pas encore fini, les amis. C'est chouette. Alors là, on a deux cartons identiques. On va en ouvrir un. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Ah bah oui, on a, regardez, on a encore un jeu parce que vous pouvez mettre donc quatre jeux qui viennent se mettre sur les quatre modules, donc qui viennent se clamper sur les électrodes. Donc là, on a donc deux autres modules. Ici, je pense que ça doit être. Ouais, voilà, c'est le chargeur. Le chargeur qui vient se mettre, lui, sur la boîte.
qu'on a vu tout à l'heure pour charger les modules. Et ça charge également donc l'appareil, la boîte charge et les modules et l'appareil en tant que tel. Et ici, on a encore une autre boîte qui est lourde. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ah, cool! Alors, il y a encore des électrodes. Regardez. Encore des électrodes, des jeux d'électrodes en complément. Et, ah oui, ah, très intéressant. Regardez. Ça, c'est une coque en silicone qui amortit les chocs que vous allez mettre autour de l'appareil SP8 pour que s'il tombe pendant que vous faites un exercice, eh bien, il soit correctement protégé. Et là, on trouve un livre assez bien fait au niveau de Compex. Je l'ai déjà eu celui-là. Et vous avez également un CD-ROM qui va vous permettre, si besoin était, de réinitialiser. Mais franchement, en 8 ans, j'ai jamais eu de besoin spécifique à ce niveau-là. Donc, pas forcément besoin. Il y a aussi sur ce CD-ROM des... comment on appelle ça, vous pouvez voir des programmes d'entraînement avec votre Compex. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a Internet, on peut directement aller sur le site de Compex qui est super bien fait et vous aurez toutes les informations à jour sur le site de Compex. Comme je vous l'ai dit à l'entame de cette vidéo, eh bien, en ce qui me concerne, je vous offre un bon un code promotionnel que vous allez trouver lié à cette vidéo qui va vous donner 30% de remise. Profitez-en. Je réitère, c'est vraiment une super marque. Et je vous ferai des vidéos en ce qui me concerne prochainement pour vous expliquer comment moi, dans ma vie, j'adapte le Compex dans différentes phases et dans différentes utilisations. Parce que Compex, vous pouvez l'utiliser bien sûr pour récupérer, vous pouvez l'utiliser pour faire de la musculation, pour se renforcer. Vous pouvez aussi l'utiliser si vous avez une entorse ou en rééducation, accompagné d'un physio ou de votre médecin. Donc, c'est vraiment un appareil multifonction qui est utilisable dans plusieurs situations. Voilà, je vous dis à très très bientôt et c'était vraiment un plaisir d'être avec vous ce matin pour découvrir cet appareil que je me réjouis d'utiliser.